Une nuit, juste une nuit, toute une nuit. Une nuit que père accorde à toute la famille pour respecter le rituel des règles tacites de la mort dans la culture rome. Rencontres autour du label jeune Texte en liberté. Lecture du texte Mon nom est Rome de Claire Auduit à la Maison des Écritures. Vous nous avez présenté un texte sur la mort en tradition rome. C'est long, une nuit pour la mort. C'est très court, une nuit pour la mort, pour essayer de tout résoudre, pour essayer de s'interroger, de parler, de rectifier, de raccommoder, et puis aussi de balayer et de fermer la porte. C'est l'opportunité qui est offerte à cette famille de dire adieu au père qui est en train de mourir. C'est pas une agonie, c'est juste un instant qui est suspendu et qui va durer une nuit. Et c'est une nuit durant laquelle la femme, la mère, les enfants vont pouvoir ou pas, je sais pas, commencer le cheminement de la mort, dire adieu, puisque dans la tradition rome, on ne prononce plus le nom des morts. Une nuit, c'est long et c'est court à la fois. Une nuit, je crois que c'est excessivement court, oui, mais pour certains, ça va être long. D'attendre le lendemain, de devoir se faire une idée, notamment pour fils aîné qui va être l'héritier, qui va devoir porter le nom, qui va devoir marcher dans les pas du père. Ça semble très court pour se mettre à cette place-là. Oui. Mais c'est très beau, cette tradition. J'aurais envie de vous l'emprunter. De l'emprunter au Rome, Elle ne m'appartient pas, alors empruntez-la à votre tour. Merci beaucoup. Merci à vous. Calme-toi. Père t'attend. Hein? Il s'est arrangé. Arrangé? Bah j'aurais deux mots à lui dire à la mort. Pas possible. Mais alors quoi? Alors il aura une nuit. Cette nuit. Et moi aussi? Voilà. Il t'attendra. Laisse la nuit se briser sur ton dos. Je ramasserai les morceaux. Je verrai si je peux tout recoller de tête. Si je peux remettre la lune et les étoiles à leur place. Alors je saurai si je suis l'homme que tu dis. J'ai affaire. La nuit va bientôt arriver. J'irai voir père. Après mes poches trouées de ciel et mes mains abîmées de nuages. J'irai le voir à la fin de cette nuit. Je tarderai trop. Demain, il ne sera déjà plus l'amour. C'est déjà le soir. Il le sait. Il y va. Et moi, je peux pas? Non, pas pour toi. Mais alors? Alors, c'est ta fille aîné de transpercer la nuit de ses mains et d'y porter le nom de père. Ensuite, redessiner l'horizon et ses rues étroites. Dois pas oublier d'enlever chaque poussière et d'effacer ses souffles et ses promesses. Sur la falaise, dois fracasser l'odeur et les gestes de celui qui s'en va. Mais je pourrais lui prêter mes mains et... Non! Non! Fils aîné seulement peut porter le visage du père. Bonne nuit. Mais je serai un grand homme demain. Hein? Hein?